deux amies, c'est quoi leur nom? Chloé et Rachel. Chloé et Rachel, qui écoutent toutes mes vidéos. Alors, allô Chloé et Rachel. C'est ça. Allô Chloé et Rachel. Bye bye. Bye bye. Bon, donc, comme vous voyez, parce que j'ai pas dit bon matin. Bon matin. J'ai dormi chez ma maman. On télétravaillait de nuit, okay? Puis hier, j'ai travaillé jusqu'à... Puis j'ai fini à 7h30, là. C'était vraiment une grosse semaine pour moi. Puis, aujourd'hui, je travaillais à Longueuil à 7h30. Fait que je fais vraiment dur, là. Okay, puis les choses sont toutes défaites, là. Ouais, fait que... Là, je marche, là, je suis déjà à Longueuil. Donc, il est présentement 1h05, puis on a été, moi et Anthony, je sais même pas si vous voyez quelque chose de fou de soleil. On a été au Starbucks, puis on a pris un thé patio limonade. Moi, j'ai un grande, puis Anthony a pris un venti, il a fini genre en 5 minutes. Mmh. Ok. Hein? Ouais, en 5 minutes. 5 secondes. 5 secondes. Ok. On voit pas grand chose. En tout cas, je pense que vous voyez, là. Que j'ai fini à midi là-bas. Puis ça, c'est fun. J'aime ça faire le tour d'ancien. Puis là, on s'en retourne à la maison. Là. Le tabac, c'est dévorant. Comment ça? Déjà que c'est super cher et qu'en plus, le trois quarts de ton verre de glace. Ouais. Fait que c'est ça. Là, on s'en va à la maison. Puis, ah, oh, j'ai reçu un. Ah, oh, ça, c'est dans celui-là. J'ai reçu un nouveau frère. T'as reçu un nouveau frère? Je me montrerai rendu à la maison. Là. Donc, je suis de retour à la maison, puis je me suis toute démaquillée. Puis là, Anthony est comme, mets-toi en pyjama, on reste en pyjama toute la journée. Fait que je suis en pyjama. Puis, je suis vraiment fatiguée parce que j'ai eu une grosse semaine. Oh, mes cheveux sont dégueu, ça. Mais bon. J'ai eu une grosse semaine. Je vais prendre mon bain tantôt. Comme Anthony travaille de nuit, il va se coucher. On prend les papiers de. Se couche à quelle heure? Je sais pas, 4h. On prend les papiers de Thaï Express. Ouais. On a reçu des coupons de Thaï Express. C'est rare. Que je vais dire. Tiens. Je suis en train de quoi? Ah, d'habitude, est-ce que je vais à 4h? En tout cas, faire 4 heures pour dormir avant d'aller travailler. Fait que quand il va aller dormir, je vais prendre ma douche. Là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Noumi. J'ai reçu... je comprends pas, genre... Je l'ai reçu, puis ça fait comme une semaine que j'ai reçu l'autre fer. Un autre fer, je comprends pas. Parce que, mais c'est fun. J'ai reçu le Megastar. C'est un fer plat. Fait que c'est vraiment fun parce que là, le fer plat que j'ai... Il vient du site Flatiron Expert, mais ça fait peut-être 3 ans, je l'ai, je sais pas. En tout cas, c'est que j'ai hâte d'essayer celui-là. Puis, en plus de ça, j'ai eu le Right Purple Leave-In Moisturizer. En tout cas, j'ai le produit White Truffle que j'utilise beaucoup, qui est genre le primer, qu'ils disent. Puis ça dit que c'est après le revitalisant qu'il faut l'appliquer sur les cheveux, genre... genre humide là. En tout cas, fait que je suis contente parce que ça sent full bon. Fait que c'est ça. Puis là que j'allais dire. Oui, on a été au Target tantôt. Puis les tables de chevet que je voulais maintenant sont rendues à 20% au Target. Mais tu sais, ça fait juste augmenter. Mais j'ai pas envie que ça augmente puis qu'il n'y en ait plus. Fait que on va retourner en fin de semaine. Puis peut-être qu'on va les acheter. Peut-être. Puis là, à la place où j'ai acheté ma robe de mariée, ils m'ont appelé comme quoi ils l'ont reçue. Donc là, j'avais été en septembre, donc ça a pris octobre, novembre, décembre, j'avais fait 5 mois. Comment c'est? Ça lui coûterait... Je dirais pas non! 15$, ça marche, mon frère. C'est à l'express. Oui, mais on peut pas commander hein, avec les coupons. C'est pas loin, c'est à la face du bonheur. Ouais. Que j'allais dire? Fait que on va retourner en fin de semaine voir. Peut-être que je vais acheter les tables de cheveux. Peut-être. Ça sont 80$ avant le rabais. C'est 20%, là, fait que je pourrais en acheter 2. Ouais, alors, mais c'est même pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de ma robe. Ils ont reçu ma robe, puis faut... J'ai un pantalon. C'est ça, ils ont reçu ma robe, fait que je peux aller l'essayer, puis voir s'il y a des ajustements à faire ou quoi que ce soit. Mais, c'est ça, je sais pas quand je vais y aller. Ça fait longtemps... Oups! Comme
j'ai pas parlé. Là, il est rendu tard. Là. Il est rendu 7h20. Puis, quand je t'ai parlé, j'étais tellement, mais tellement fatiguée, ça avait pas de sens. Sérieux, cette semaine m'a, genre, vraiment épuisée. Là. Pouf, c'était fou, là. Puis, que je vais dire? Fait que c'est ça, j'étais vraiment épuisée cette semaine, donc fallait que je dorme, puis j'ai dormi comme de 3 à 6, je crois, environ, 6 et demi en fait, puis quand je me suis réveillée, j'ai été dans le bain, puis là, ça fait vraiment du bien, fait que là, Anthony, il dort, donc ça a été une semaine vraiment bizarre, là, comme cette semaine, il y avait un horaire différent, donc aujourd'hui, c'est sa dernière journée de nuit, donc au moins c'est le fun, parce qu'il va pas travailler la nuit de... samedi à dimanche, genre, fait que on va être ensemble. C'est le fun. Puis, là, je voulais vous dire, cette semaine, OK, parce que, bon, vous savez qu'on voulait adopter un chien. Puis, on a décidé, ben, en tout cas, oui, c'est ça, on avait décidé qu'on allait adopter un poméranien. Mais, genre, comme plusieurs personnes l'avaient suggéré, chez un éleveur, donc, en tout cas, si vous avez vu mon vlog, c'est quoi? Je sais pas ça fait combien de temps, là. Mais en tout cas, vous savez un peu de raison, là, mais c'est ça. Chez un éleveur, puis là, ben, il y a un éleveur comme enregistré au Québec, là, puis c'est à Québec. Puis là, quand j'ai été voir sur le site, puis il y avait une portée qui naissait mi-février, puis une autre portée fin février, genre, pas des mêmes poméraniens. OK. Mais là, genre, c'est quoi, 2-3 mois? C'est au moins 2 mois, mais je pense que c'est plus 3 mois là, après qu'ils naissent. Mais là, ça tomberait genre mi-février, mars, avril, mai, juin. Fait que tu sais, c'est avec l'homme dans le temps qu'on va être trop occupés. Fait qu'on va pas en adopter un tout de suite. Puis il y en a plusieurs qui me disaient c'est mieux d'attendre après avoir un enfant. D'autres qui me disaient c'est mieux avant. Peu importe, là, il y avait des deux. Mais ça va être sûrement avant d'avoir un enfant. Parce que, tu sais, j'ai un congé de maternité, puis t'sais, genre un retrait préventif et tout. Puis je vais être comme tout seul à la maison. Là, fait que ça va être. Je vais avoir plus de temps pour genre, élever un chien. Puis plus m'habituer à sa présence. En tout cas, fait que c'est ça. J'étais fou déçue, j'étais comme « Oh, je voudrais trop qu'on en prenne un », mais là, j'étais comme « Non, c'est peut-être pas une bonne idée, genre, avant le mariage, là, on va être tellement occupée. » Alors, c'est ça, je vais partager ça avec vous. Donc là, je vais souper. Je soupe des légumes et un tourne-d'eau. Et il n'y a pas de bacon parce que j'aime pas le bacon autour du tourne-d'eau, donc voilà mon souper. Allô tout le monde, je vous filme de mon... en face de mon garde-robe, mon walk-in, c'est pour ça qu'il y a la lumière. Oh my god! J'étais en train d'éditer le vlog d'aujourd'hui, puis j'ai remarqué que j'avais genre. Faut le pas filmer, là. En tout cas. Fait que. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, en fait? Il est minuit 40, quelque, là. En tout cas, j'étais dans le lit, puis. Là, je commence à stresser, là. Genre. Ouais. Pour le mariage, parce que là, on se marie. On est quoi, le 20? 20 ou 21 février? Que. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. On se marie dans moins de 5 mois. Waouh! C'est vraiment, vraiment bientôt. Puis, il y a tellement de choses à penser, de petits détails à finaliser. Je capote un peu, parce que j'ai la tête un peu partout là, en ce moment. Comme, tu sais, là, ben pas là, ben oui, là, j'étais en train d'écouter des musiques genre, pour sélectionner toutes les musiques. Genre pour le mariage, comme les chansons spécifiques à certains moments qu'il faut mettre, là. Puis il y en a tellement, puis là, je sais pas quoi choisir. Hey, c'est tellement pas des trucs qui, genre, ça me stresse, mais c'est pas des trucs, genre, mauvais, là. Tu sais, c'est pas un stress mauvais. C'est juste comme, my God, un mariage, c'est tellement de choses à penser, là. Puis là, c'est genre tous les petits détails, comme, OK, là, je dois envoyer... Oh, my God, je viens de me rappeler d'une autre chose. Ah. Je dois envoyer comme toutes les photos des fleurs que j'aime dans chaque bouquet. Je dois contacter la fille du gâteau pour dire... la pâtissière, pour dire quelle photo que je veux, quel gâteau que je veux en fin de compte. Là, je viens de me rappeler que... vous savez, j'avais rencontré le célébrant pour notre mariage, le prêtre en tout cas. Puis
On avait des documents à remplir. J'ai rempli ma partie. Anthony, il reste à remplir sa partie. Fait que, genre, là, fallait reprendre un autre rendez-vous en février-mars. Fait que ça va être mars. Et là, j'ai eu l'appel comme quoi ma robe est arrivée. Fait que, faut que je prenne un rendez-vous pour aller réessayer ma robe pour les ajustements. Faut que je trouve des souliers. Faut que je trouve voir si je veux des bijoux. Faut que je vois si je veux me maquiller, moi, ou si je veux, comme, quelqu'un pour me maquiller. Faut que je vois si. Oh my god. Ok, faut que je vois si je veux me faire coiffer. C'est ça. Pas mal d'affaires. Pas mal d'affaires. C'est le fun. C'est juste, c'est comme plein de choses à penser. Comme là, ok, Anthony se ridicule. Il n'est jamais comme. Quand sa carte d'assurance maladie a expiré, il avait genre pas renouvelé, je sais pas trop. Là, il doit renouveler sa carte d'assurance maladie, mais ça faisait trop longtemps qu'il était expiré. Fait qu'on a reçu un papier pour refaire sa carte d'assurance maladie. Puis, il faut qu'il fasse sa carte d'assurance maladie pour renouveler son passeport, pour la donner comme une autre preuve ou je sais pas quoi. Puis, il faut renouveler son passeport avant le mariage parce qu'on va partir en ben, lune de miel, bref. Il y a pas mal d'affaires à penser, puis là, ça me stresse. Il y a comme full d'affaires, puis plein de détails, puis plein d'affaires. Puis c'est ça qui se passe en ce moment, c'est ça qui se passe dans ma semaine, à chaque, hey, je vais au travail puis j'emporte mon gros cartable de mariage pour penser, oh, c'est vrai, il y a ça, c'est vrai, il y a ça, c'est ça, fait que c'est ça en ce moment ma vie, là je commence à stresser là, pour ça, puis pas stresser parce que je vais me marier, là, stresser à cause de tous les petits détails, comme l'autre chose, là on sait quelle date qu'on va aller pour les demoiselles d'honneur, à peu près, tu sais, faut pas que Cynthia, faut pas que la soeur Anthony travaille, puis là je viens de penser, ok, mais c'est parce qu'Anthony, il faut être oxydo, hein. Faudrait prendre un rendez-vous pour aller voir ça. Ok, c'est ça, c'est plein de rendez-vous, tout le temps des rendez-vous, puis plein de choses à penser, ça me stresse, puis là, l'autre affaire, faut que j'aille faire mes impôts, puis là, c'est, genre, à chaque année, c'était mon grand-père qui me le faisait, mais là, cette année, c'est parce que j'ai comme, de mon, c'est, ah, je recommence, les années d'avant, supposons sur mon impôt de l'année 2013, j'avais été étudiante, j'avais travaillé chez Sephora, puis j'avais travaillé comme hygiéniste, mais là, cette année, j'ai vraiment juste travaillé comme hygiéniste, puis j'aime mieux, je vais aller dans un, dans le cabinet, en tout cas, faire mes impôts, parce que là, avec le salaire que je gagne par année, je veux essayer d'avoir le moins payé d'impôts possible, parce que en tout cas, ça va être mieux, mais pas à moins payer d'impôts possible, mais genre, essayer d'avoir le plus possible, surtout que cette année, on a acheté une maison, fait que je sais qu'on peut mettre, genre, la maison, il y a des, on peut mettre dedans, je pense, quand notre première maison, je sais pas trop, là, en tout cas. Bref, là, c'est ça. J'ai plein d'affaires dans ma tête, puis ça me stresse un peu. Fait que c'est pas mal ça, là. C'est beaucoup de préoccupations, je vous dirais. Donc, c'est ce qui va conclure le vlog d'aujourd'hui. Mais je vais bien, là. C'est un bon stress, mais c'est genre... J'ai hâte que le jour du mariage soit là pour faire comme... Ah, oh, plus de choses à penser, je me marie, puis... Genre, il n'y a plus d'autres choses à penser après. Oh my god. Ok, c'est ça. J'ai hâte. Donc, on se revoit demain. Je suis fatiguée. Ouais, on se revoit demain. Puis j'ai oublié de vous dire, mon père, tantôt, il m'a vlogué. Il m'a vlogué. On a Skype du Mexique. Puis il avait été voir encore, c'est la deuxième fois, là, l'année passée. Non, troisième fois qu'il va à Playa del Carmen pendant un mois. Puis là, l'année passée, il avait checké les condos. Là, il est retourné voir les condos. Puis là, il a trouvé un condo avec... genre deux chambres. Puis vous montrer les photos. Ok, c'est ça. Ce serait le fun. Donc, on se revoit demain. Bye bye!